ce soir, le dispositif de sécurité autour de l'Assemblée nationale est assez évident. Il est très impressionnant, étendu sur plusieurs ponts. Donc clairement, on voit ici un gouvernement qui a peur de son propre peuple, un peuple qui vient protester pacifiquement. Nous, on voulait juste planter une tente. Une tente, on en avait trois tentes. On a beaucoup de campeurs qui n'ont pas pu passer parce que sur des kilomètres, tout est bouclé. Et vous inquiétez pas, on reviendra camper à côté de l'Assemblée nationale, à côté de l'endroit où ça se passe, parce que cette loi et les changements qu'elle induirait sur la société française nous paraît dévastateur. Bon, si on a perdu une tente, c'est pas très grave tant qu'on perd pas un campeur. Alors c'est ça justement le risque quand même, parce que vous le savez, il y en a en tout cas quelques-uns ici qui étaient au poste il y a deux jours. Il y a eu un rappel à la loi, vous risquez plus la fois d'après. Alors moi je ne me fais aucun souci, parce que le nombre de personnes qui veulent camper, le nombre de personnes qui veulent protester est impressionnant. On aura toujours un campeur disponible pour relever le campeur qui est parti au poste. Ça c'est vraiment pas un souci. En ce qui me concerne, je suis prêt à retourner au poste tous les soirs, tant que la loi... Et dans le portefeuille du gouvernement, ainsi que d'autres projets qui, tels que la PMA et la GPA, qui auraient un impact sur les familles françaises. Référendum ! 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 Attention. On n'en veut pas.